people who are not familiar with Latin music, it seems that everything sounds very similar. Everything is very rhythmic and all that. But Latin music is very rich, and every rhythm has a name. And it comes from a specific region, and it has been developed within a certain style. There's a melodic style, there's a harmonic style, and a rhythmic style attached to it. And what I do in my compositions and in the album is take different rhythms and elements of traditional music that are never mixed together, yeah, and mix them within one song. Mm-hmm. And at the same time, I mix it at a different level, which is at the urban level. Yeah. Mixing it with hip hop, with funk, with jazz, with elements that are in the big cities. J'habite à Montréal et j'ai découvert tout le Québec, tout le Canada à partir de Montréal. Plus à partir du plateau Mont-Royal. Et c'est comme, ici tu sors et tu vois des gens qui viennent de partout le monde. Tu prends l'autobus, tu prends le métro, tu écoutes 5-6 langues au même temps. Et c'est une des choses que moi je trouvais spéciale et vraiment qui m'a touché beaucoup. Et je trouve qu'il y a une différence entre la musique nord-américaine dans le sens que d'habitude, c'est tout centré dans une personne. C'est une personne, l'étoile, la vedette, et les autres y accompagnent. Mais la musique latino-américaine, c'est plus une affaire communautaire. C'est comme on a besoin de tout le monde. On a besoin, même la personne qui joue la petite percussion, c'est assez d'importance, comme la personne qui joue les congas et tout ça. C'est comme tout le monde fait partie d'une communauté pour faire que la musique sonne. In Colombian music, you have the three elements. You have the indigenous element, you have the African element, and you have the Spanish element. On aime beaucoup prendre des risques, faire de l'improvisation, jouer et avoir l'espace pour que chaque fois qu'on joue la chanson, il y a quelque chose de différent, nouveau, pour, pas seulement pour le public, mais aussi pour les musiciens. On va jouer le 12 juin dans la scène multiculturelle d'Hydro-Québec. C'est Coin de Clark et Sainte-Catherine. Et on va jouer à 7h, à 19h le soir et à 22h le soir aussi, en reprise. J'espère que ça va faire beau et que tout le monde vienne pour danser, nous accompagner et chanter avec nous. Il y a aussi les CD déjà disponibles chez tous les magasins. Ici, le monde peut aller visiter le site web aussi, www.robertolopez.ca, et acheter les CD pour aider que le projet aille plus loin. Et merci beaucoup.